S'il ne devait y en avoir qu'un seul, ce serait lui, le visage de la contestation iranienne, celui de Mahsa Amini, 22 ans. Sa mort le 16 septembre dernier a déclenché un vent de colère inédit dans le pays. Trois jours plus tôt, la jeune femme originaire du Kurdistan est arrêtée à Téhéran. Motif, port de vêtements inappropriés. C'est la police des mœurs qui l'embarque. Son hijab ne couvrait pas assez ses cheveux. La suite est assez floue. Selon les autorités, l'étudiante serait tombée dans le coma à cause d'une santé fragile. Téhéran va même aller jusqu'à diffuser ces images. On y voit une jeune femme présentée comme Mahsa s'écrouler. Est également diffusée les images de son supposé transfert à l'hôpital. C'est là qu'elle décédera. Apparemment, elle avait des antécédents de maladie. Cela est indiqué dans le rapport. À l'âge de 5 ans, elle a subi une opération du cerveau. Mais pour la rue, il ne fait aucun doute, l'étudiante a été battue à mort. La police des mœurs est régulièrement critiquée pour ses interventions violentes à l'égard des femmes. Le lendemain, ses funérailles sont organisées à Sarez, au Kurdistan, dans sa ville natale. C'est dans cette région que naît le mouvement de protestation. 24 heures plus tard, un geste va devenir viral, un geste ô combien risqué. Des femmes retirent leur voile en pleine rue. Elles vont même jusqu'à brûler leur hijab. Ce jour-là, le régime iranien coupe toute connexion à Internet. Mais de nombreuses vidéos sortent quand même du pays. Le mouvement s'intensifie avec les universitaires. Les hommes y voient aussi un momentum à saisir. Regardez dans les rues, ceux qui protestent aux côtés des femmes sont des hommes. À côté de chaque femme, il y a un homme qui se bat et qui a des revendications. Depuis, plus d'un jour ne passe sans qu'une manifestation soit organisée. Le vent de la colère emporte toutes les villes. Des manifestations qui virent à l'affrontement. Les forces de l'ordre tirent parfois à balles réelles. De nombreux manifestants sont frappés. Au fil des jours, les arrestations se multiplient. Le nombre de morts aussi. Et des manifestations pro-gouvernement sont organisées. Mais rien n'y fait. Les femmes iraniennes continuent de défier la police des mœurs. Un autre geste va marquer les esprits. Elles se filment en train de se couper les cheveux.